amis, alors bienvenue sur ma chaîne. Pour le lundi, l'abécédaire du lundi, je vais partir sur un mood board. Vous vous rappelez, j'en avais fait un comme ça. C'était pas l'abécédaire du tout, hein, mais. Et là, c'est pour vous dire un peu la taille. Il fait de large 16,5. Bien sûr. Sur 23,5. Bon, après, la taille, on fait ce qu'on veut. Hein. Et bah, on va dire aujourd'hui F. F comme... comme... forêt. Voilà, tout ce qui est de la forêt. Bien que je n'aime pas trop la forêt, c'est quelque chose qui m'angoisse, la forêt. Mais bon, c'est joli. Mais je sais pas pourquoi je vois toujours des trucs de crime. Ou je sais pas. La forêt m'angoisse. Bref, je ne vais pas faire de tour en forêt. Hein. Ah non, ça... même à deux, hein, non. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un mood board. Mood board. Et je voudrais... bon, écoutez, je vais faire un peu au pif. Comme j'aime. Je vais faire un carré qui va aller de 15. Enfin, une bande, plutôt. Sur 5. D'accord ? Ou pas d'accord ? C'est vous qui voyez. J'ai toujours un petit filet sur le côté. Là, je fais déjà mon petit traçage de comment ça va faire. Voilà. Après, je vais faire certainement un rond. Un rond, faut que je trouve un truc pour faire un cercle. Qu'est-ce que j'ai de rond? J'ai ça là, le petit truc de. Bah non, ça va pas être grand, ça va pas. Bon, bref, on s'en fout. Je vais déjà faire un autre là. Un comme ça, ici. Ici, par exemple. Hein. Bon, moi, je fais comme ça, mais après, faites comme vous voulez. Ouais, en plus, c'est pas droit, donc... comme ça. Voilà, un là. Je pense mettre mon rond ici. D'accord, mais je vais chercher ce que je peux faire pour faire un cercle. Je vais tourner autour de ça et puis c'est tout. Hein. Hop. Hop. Comme ça. Là, je vais faire un qui va venir, par exemple, un peu au milieu. D'ailleurs, on fera plutôt deux carrés. Oui. Là, j'essaie de me servir de ça, mais il n'est pas terrible. Voilà, voyez, et on faut pas que j'oublie l'initial parce que je l'ai pas spécialement mis en évidence sur le dernier abécédaire. Alors, dans le petit truc à die-cut, là, il y a des animaux de la forêt. Donc, bah, ça ira bien, quoi. Voilà. Ensuite. Alors, attends. Il y a celui-là. On va le mettre ici. Là. Non, je suis bête.
là et là. Ah, si je vois le trait. Et là. D'accord. Voilà. Ça, je vais le mettre là. Oh, normalement, ça va être joli. Bon, ça va être, je pense, assez vert. Vert et bois, ça serait bien. Voilà. Pas beau, ça? Est-ce que c'est pas beau? Bah non, c'est pas beau. Ça. Elle est belle, celle-là aussi. Hein. Ouh là là. Celle-là, elle est belle, mais... Je vais. Trop belle, celle-là. Bon, on voit pas trop. Oh, c'est nul. Voilà. C'est foncé, mais je vais essayer de faire le petit timbre. Là, je la trouve super jolie, celle-là. Là et là. Là et il fait extrêmement moche. Je sais pas quel temps vous avez, mais on est le 1er juin aujourd'hui et je crois que c'est peut-être la journée la plus moche. Il y a un ciel, mais alors, ciel de plomb. Là. D'accord. C'est énervant. Hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Regardez ça, le petit écureuil aussi, il est beau. Il est beau, hein. Là, à ce moment-là, j'ai qu'à en coller deux comme ça. Hein. Puis là, le petit champignon. Hein. Je trouve que c'est sympa les moodboards. Vous voyez comme ça? Je vais faire ça. D'ailleurs, je vais enlever ça. Alors, peut-être qu'après, je vais venir comment encadrer au feutre noir. Vous voyez, chaque image. Pour que ça fasse bien style BD, quoi, un peu. Allez. Le petit écureuil. On va essayer de le caser. Là. Et le champignon. Voilà, que ce soit à peu près équilibré, quoi. Et là, je vais découper un rond. Alors, je sais pas avec quel dessin. Là, il y a un joli Bambi. Hein. Ça serait beau, ça. On va faire ça. Bon, bah là, il va falloir découper au ciseau. Et ça doit pouvoir se faire. Ouais, en plus je cherchais, hein, je savais pas trop quoi mettre en F quoi. Attendez, je vais déjà découper un peu grossièrement. Pour mieux découper après. Enfin mieux, sans me parler quoi.
Voilà. Si ça, c'est pas beau, alors là, bon, là je comprends plus. Là. Oh, bah là, non, non, je comprends plus, là. J'aurais même dû ancrer en noir autour, hein, ça aurait été plus mal. Hein. C'est beau, mais beau. Et là, il manque une image en bas. Regardez avec la petite chouette. Si c'est pas chouette. Mais je vais faire ça. Donc là. Et là. Oh là 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 là, c'est une cata ce truc. C'est une cata. Et là, le trait, il est là. Comme ça, j'ai ma petite chouette. Trop beau. Et après, je vais voir. Alors, même mettre du washi aussi, peut-être. Hein. Bon, bah, dis donc, toi, t'es pas bien découpé. Hein. Voilà. Vous voyez, parce que là, il reste un petit blanc. Bah, je sais pas trop quoi mettre, là. Faudrait du washi, quoi. Oh, il était joli, c'est le renard. Peut-être mettre du wash. Et mon F, je crois même que j'en avais un par terre. J'ai dû balayer. Mon F de forêt. Mon petit timbre, il était quelque part. Il était là. Oiseau, je vais découper le petit oiseau. Je crois que je vais le mettre là, c'est trop mignon. Je reviens. Voilà, j'ai mis de l'encre autour du timbre du petit oiseau et je vais le mettre comme ça. Pas obligé de mettre droit. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais chercher ma page où j'ai des petits die cuts. De la forêt. J'avais ça là, le hibou comme ça. Et les animaux de la forêt. Donc j'aime bien ça là. J'aime bien le renard. J'ai envie de le mettre celui-là. C'est joli le renard. Hein. Car ici, il y en a plein. Là. Donc je vais le mettre. Est-ce que je le marronne ou je le laisse blanc? Je vais laisser blanc parce que de toute façon j'ai mon fond qui est blanc donc là, là j'ai un grand truc. Alors j'ai l'ours, le loup, le Bambi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, 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 là. Là aussi je dois mettre un petit truc. Bon, là, celui-là, je vais le laisser comme ça. Hein. Bon. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Il y en a trop. Trop. Ça, j'en ai vu un blaireau. Ce pauvre, il était mort sur le bord de route. C'est la première fois que j'en ai vu un. Je crois que c'était l'année dernière, je crois. Le nérisson, parce que j'aime quand même bien les nérissons. Hein. Là. Alors c'est pas grave s'il dépasse, c'est pas bien grave. Il y a l'ours, l'ours. Bon, il y avait ça aussi ici, là, les oiseaux. Je sais pas, j'ai envie de mettre. Bah, le hibou, c'est pas mal quand même. Hein. Ça fait bien la forêt, ça. Hein. Ouais. Le petit truc aussi. Ah, je sais pas quoi mettre. Le bamboche, mais il va être grand, quoi. Je sais pas où je vais le placer. Où je vais mettre celui qui est couché. Le bamboche. Comme ça. Là, le Bambi.
lapins. Enfin, c'est plutôt des lièvres. Moi, ça me gêne pas que ça soit que ça dépasse. Au contraire. Ouais. Là, je sais pas moi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Le loup, ça fait peur quand même. Le petit blaireau là. Là, il y a la chouette. Escargot. Il y en a tellement ici. Oh, c'est infernal. Le petit écureuil. Ah ben, je mettais la petite chouette là. Là où il y a la forêt là. Joli, ça ferait plus joli en cadre. Ouais, c'est à dire que là j'avais mis du rose autour des, enfin j'avais ancré les petites pages quoi. Regarde celui là il a même pas bien collé. Ah, c'est autocollant ça, c'est pour ça que ça m'embête quoi. Je sais pas quoi faire, pas du tout. Bon, je vais chercher ma lettre F. Allez, alors, comme c'est forêt, enfin c'est le bois tout ça, je vais chercher une petite lettre en bois, ça sera bien mieux. Je vais essayer de tamponner Auré. Regardez toutes les lettres. A, A, F. Vous voyez? Ah non, mais... Oh, le pauvre bibou. Je trouve que ça fera joli comme ça. J'y mets de la colle chaude. C'est vrai que j'avais des... Je vois, j'ai une Memory Dex, j'avais des... J'avais des trucs comme ça là. Des champignons, des trucs en bois, j'en ai. Hein. Ah bah c'est sûr. Alors est-ce que je tamponne forêt là? Je sais pas. Bon, je vais tenter d'entourer mes cases en. Tiens, mais il a perdu son bouchon. Ouais. Mes cases en noir. 08, 05. Ça tient bien, dis donc. Bah d'ailleurs celui-là il irait bien en deux, c'est pas sûr quoi, c'est que ça m'embête. Ah ouais d'accord, non il marche pas du tout. Alors, eux c'est fini, ils en achètent plus, ça me, j'en ai marre, ils sont très très durs à fermer déjà, et d'une. Très dur à fermer, trop fin. Non, c'est pas beau. Ça ferait bien, mais c'est pas le bon feutre quoi. C'est horrible à fermer ce truc. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme feutre? Lui, c'est quoi les? Calligraphie 5. Ah bah, tu penses, ça c'est énorme quoi. Comme ça, on va essayer comme ça. Allez, je fais ça hors caméra, sinon je vais me planter. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fini. J'ai entouré avec du feutre les cases, tant bien que mal. Vous voyez, je pourrais rectifier un peu au crayon noir, mais il faudra un feutre plus fin, mais j'en ai pas. Allez, vous. Voilà, en tout cas, ça fait joli. Peut-être que je vais mettre forêt, je sais pas. Je vais voir si j'arrive à bien le tamponner, sinon non. Parce que je crois pas en avoir en tampon. Je voulais aussi verdir le tour. Hop ça. Le tour de la page. C'est pas une obligation, mais bon. C'est pour finir. Le F. L'ABCDR du moins.
peux même mettre où il y a un peu de blanc, mais vous mettez un peu de vert. Hein. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Qui vous en empêche? Qui? C'est pas moi. Voilà. Moi, je trouve que ça finit. Allez, on va dire que ça finit. Voilà, les amis, j'en ai fini pour ma petite création ABC d'art du lundi. J'espère que ça vous plaira. Donc, F comme forêt, à maintenant, c'est aussi à vous si vous avez envie de le faire. Et c'est bien sûr la chaîne de Rose Bonbon Coco qui le propose chaque lundi. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Where's the apple of their eyes? And the little girl they used to know, it wasn't all that long ago.